Bonjour. Ah, j'ai une excellente affaire pour les collectionneurs, hein. Eh ben, ce sont tous ces trésors de mes brouillons. J'estime que mes brouillons, que ce soit des brouillons de dessin ou des brouillons de texte, eh bien, constituent quand même un trésor, hein. Alors, la valeur n'est pas du tout marchande, elle est plutôt désincarnée, hein, c'est pas du tout monnayable, encore que. Alors pour ceux qui sont intéressés, hein, bon ben je leur mets mon adresse. S'ils veulent que je leur envoie toutes ces archives, hein, plutôt que ça parte au feu ou à la poubelle, hein, j'aime autant que des gens en profitent, mais que cela ne me coûte quand même pas un vélo, hein. Bon, référence à l'envoi que j'avais fait à Luna Stanford. Bon, c'est une vieille histoire. Alors, si vous êtes réellement intéressé, hein, par la collection de ces archives, hein, que sont mes textes, voilà, les brouillons de mes textes, mais aussi des dessins. Des dessins isariens. Alors, n'hésitez pas, écrivez-moi. Alors, si vous voulez que je vous envoie ce tas de brouillons qui pèse quand même plusieurs centaines de grammes, eh bien, envoyez-moi une lettre suffisamment affranchie, une enveloppe suffisamment affranchie, et vous recevrez gratuitement, enfin, disons, pour le prix de quelques timbres, ce paquet d'archives. Bon, alors il faut que ça disparaisse quand même dans les meilleurs délais, parce que sinon, si personne ne me les réclame, eh bien, ça partira au feu.